Bonjour tout le monde, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est aujourd'hui une vidéo gaming. Je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais montré en vidéo comment fonctionnait Counter-Strike sur Linux et vous n'allez pas être déçus parce que le jeu tourne super bien. En tout cas, moi je trouve sur ma machine, c'est vraiment impeccable. Donc pour Counter-Strike, si jamais il y en a au fond de la classe qui ne savent pas de quoi on parle, c'est un jeu compétitif où on est en équipe contre une autre équipe, donc terroriste contre antiterroriste. Soit vous allez désamorcer une bombe ou éliminer l'équipe adverse à coups de gun, soit vous allez libérer des otages ou encore une fois tuer toute l'équipe. Il y a aussi du match à mort dernièrement, mais c'est peut-être un mode de jeu un peu moins joué, c'est peut-être plutôt un mode de jeu entraînement. Mais voilà, globalement. Bon, moi ce que je vous propose, c'est qu'on clique sur jouer. Je vais enlever ma grosse tête. Et voilà quoi, on va essayer de profiter, on va essayer de faire quelques kills. Je vous le cache pas, je suis pas au top du top hein, sur Counter-Strike. Il y a des personnes qui sont bien, bien meilleures que moi. Je pense à Air Max particulièrement là-dessus. Mais peut-être que je vais avoir ce matin quelques restes, parce qu'il fut un temps, je jouais beaucoup à Counter-Strike, et bon, je dirais pas qu'il y avait du skill, mais on n'était pas loin. Bon, les shaders ont fini de charger, on va pouvoir se faire une petite partie. J'espère que vous serez conciliants, car comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ma spécialité de jeu, mais je vais essayer de faire du mieux possible. Alors, moi perso, pour cette partie-là, je vais faire du occasionnel, mais vous savez que pour l'entraînement, le match à mort, ça peut être très intéressant. Et après, il y a d'autres modes de jeu, comme course à l'armement, qui est très sympa, ou Wingman. Après, c'est vraiment comme vous voulez. Mais c'est vrai que si vous faites partie de la team GLF, ça peut être très sympa qu'on se fasse ça une fois de temps en temps. Une petite partie de Counter-Strike. Vous pourrez noter la petite musique d'Hadès en fond qui n'était pas du tout dans le jeu de Counter-Strike. C'est moi qui l'ai ajouté via un déblocage dans le jeu. Donc, ce que je vous propose, hein, c'est un match à mort ultra classique sur des DOS 2. Là, on est vraiment sur du basique de chez basique. Pour ceux qui ont des PC peut-être un peu plus faibles, c'est vrai que vous noterez peut-être une baisse de performance par rapport à Windows. C'est possible. Alors j'espère que je vais réussir à me connecter parce que ça serait bon. J'ai réussi à y jouer il n'y a pas longtemps pourtant. Hein. Voyons voir. Je pense que c'est une erreur vraiment liée à la vidéo. Voilà, impeccable. Donc là, on a le choix entre terroriste et antiterroriste. Là, on va choisir antiterroriste. Bon, là, c'est le début avant le... Avant la bastaille. Allez, c'est parti. Ok. Là, j'ai essayé de jouer avec mon petit Nostradamus, là. Nostradamus. Je suis sûr ils vont pas passer en plus. Ah si! Ah, magnifique! Je me suis pris ce one shot. J'ai rien capiche. Je sais pas comment il a fait pour me voir. Va pas me dire qu'il a tiré au pif et qu'il m'a vu. Waouh, il est violent lui. Hein. J'ai pas aimé là. Hein. J'aimerais pas vous faire une vidéo avec des cheaters.
J'ai envie de prendre un fusil à pompe. Moi, je joue très différemment des autres. On va aller en B ce coup-ci, parce qu'en A, je me suis pris une branle et il me demande pas là. Ouais, ça arrive, hein. Allez, one. Je suis vengé de tout à l'heure. Pas si vous le voyez, mais mon GPU ne tourne pas du tout à fond. Hop là, il est caché. Sont en A, non? Ah, ça coûte. Bon, un premier frag, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça de paye. Ouais, donc comme vous le voyez, mon GPU ne tourne pas du tout à fond. Je dois vraiment avoir une bride au niveau de mon processeur pour monter plus haut en termes de FPS. A chaque fois que je passe en A, je vais me prendre une branlée. C'est pas grave. Je touche pas du tout. On les a fait reculer, hein. Allez. Oh non. Quelle manie de recharger dès que je tue quelqu'un. Ça, c'est une très très mauvaise. Bon, j'ai tué deux personnes. Donc, comme d'habitude, hein, je vais vous faire profiter 15-20 minutes de la séance de jeu. Mais là, ce qu'on voit, c'est que le ratio. Je suis en milieu de peloton, là, avec un 2-2. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus nul à chier. On va prendre la bull pup, j'aime bien celle-là, la bull pup. Ah l'enfoiré. Et lui là, le snipes. Il dit combien? Ah, il est pas tant bien que c'est ça. Et il me dérouille. C'est rare en plus ceux qui utilisent cette arme là. Et lui il m'a déjà tué deux fois avec. Il a chaque fois un beau one shot. Deux points de vie, il s'en sort bien lui. Bon, il s'en sort bien, c'était vite dit. Bon, la bull pop, ça m'a pas souri des masses. On va revenir au M4. Hein. J'ai pas de screen sur le M4. Je reviens en A, mais je m'en sors pas super bien en A. Est-ce qu'ils vont pas passer Ouais, ils vont passer de l'autre côté, c'est quasiment sûr. Ouais. Ça passe terrasse. J'ai vu personne. Ah putain, encore lui. Oh l'enfoiré. Et franchement, lui, c'est ma bête noire.
pourtant, à chaque fois que je le vois jouer, ça... C'est pas incroyable. Et qu'est-ce qu'il met, Burdu? Voilà, celle-là, elle va être dure à gagner. Hein. Là, j'ai un ratio négatif, là. Hein. Ça fait deux fois que je tue personne. Est-ce qu'on stampe un AWAP? Je suis pas très fort à l'AWAP. J'ai plus de chance, je dis bien de la chance avec le scout. Mais bon, on va essayer, on a des sous, on va les dépenser. Allez, viens. Vas-y, monte ta tête là. Ah, ça rigole moins là. Quand ça couvre un peu. Allez, ça arrive terrasse. C'est pas beau ça, c'est pas beau. C'est lent, je suis trop lent. Et c'est encore lui qui me tue. Putain, lui c'est vraiment la bête noire de ouf. Et c'est moi qui est pas bon. Hein. Pas grave, j'ai remonté un chouille le ratio. C'est un beau headshot. Ouais, il est costaud quand même. Hein. C'est serré, hein. C'est très serré. Bon, j'ai plus de quoi m'acheter un AWAP. On va jouer avec quoi? C'est ça la question. Oh, mon scout est magnifique. Allez, on va faire une partie au scout. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer mes qualités, mais... Oh, putain. Ah, voilà! Run for life. Ouah, je suis sûr que j'ai touché là. Ah, faut attendre, faut attendre. Bon, faut passer derrière. Putain, ils sont partout. Putain, pourquoi tu m'as mis smoke toi? Là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ah, je suis trop lent, mon dieu. Ou j'ai appuyé trop vite ici pour tirer. J'ai pas touché du tout. Je sais plus c'est lequel que j'ai touché. Celui qui était dans le trou. C'est moche, c'est vrai. Voilà, ça va être rapide. Hein. Allez, bon, on continue, on se laisse pas avoir. Hein. La 3-4, c'est pas terrible. Hein. Alors, tente la bubble pop, même si ça m'a pas souri du tout. On va prendre une grenade peut-être pour couvrir un peu mieux. Oh, trop lent. Allez, 1. 2. Il y a la bombe ici. Ça va arriver là-bas, je pense. Ils vont faire le tour. Hein. Grenade out. Smoke.
Et il y avait bien un troisième que j'avais touché. Eh, ça rigole pas là, là ça rigole pas. Il y a du niveau. Ah, j'ai pas vu au-dessus, merde. Alors, ça dit quoi? 6-7-2. On commence à rattraper le petit ratio, qui était pas incroyable. Ah, j'ai dû toucher l'autre via la grenade que j'ai lancée. J'étais en train de me dire, mais j'ai touché que deux personnes avec la bubble pop. Non, non, c'est la grenade. Ouais, un peu un coup de chance, mais... Allez, c'est un 1v1. Quand on regarde la carte à gauche, hein, on se dit que c'est presque symétrique. Il se déplace exact à l'opposé. Eh, c'est le temps qui nous a fait gagner. Ah, ça c'est moche. Là c'est la loose pour le terroriste. Ça fait toujours rager quand tu perds à cause du temps. Hein. Sauf quand t'es anti-terroriste, évidemment. J'ai pas de quoi m'acheter une grenade, quoi. Bon, je rechange d'arme. Ah, ça arrive. Ah, j'ai pas touché du tout. J'ai touché mon... Ouah. On va faire le tour, on va faire le tour. Ouais, mais je fais le tour, t'inquiète. T'abandonne pas, Pépé. Ah, Pépé. Peut-être t'es jamais mort. Mais... Putain. Oh non, je les avais tous par derrière. Il y avait moyen de faire un truc. Ouais, c'est mort, hein. Bon, 5-4. On est en train de perdre. Je sais pas du tout comprendre. Est-ce que je fais safe là, je prends pas beaucoup, comme ça j'aurai de l'argent au prochain tour. Oh, bâtard. Ben là, c'était pas ouf, hein. Je crois qu'on va encore la lose. On va recourir beaucoup plus vite là, la prochaine.
fait, faut courir hein, pour les bloquer, quoi, pour gagner. Je pense. Donc on va prendre une grenade et on va prendre une P90. On va essayer de courir. On va essayer de les bloquer là, on va essayer de la jouer intelligent. Là ils ont pas dû, ils ont pas dû. Putain ils sont pas là. Merde. Je peux remarquer. Ce petit moonshot, il est bien passé. Je suis bien derrière ma porte, hein. Si vous vous demandez si je vais bouger, il n'en est absolument pas question. Enfin, j'ai que 10 points de vie. Hein. Putain, Toti. Il a... Je suis sûr qu'il nous attend. Ah, ils sont de l'autre côté de toute façon. Allez, go! On part derrière, c'est moche. On va le toucher, c'est marrant. Bon, bah ça sent la loose, hein. Mais bon, c'est souvent que je vous montre des game lose. Je sais plus si c'est 7 points ou 8 points. Je pense qu'on est ouais, point décisif. Donc voilà, c'est peut-être le dernier point. On va dépenser des sous. C'est parti. Oh les enfoirés. Bah ça a été tellement rapide. Pourtant je leur ai mis une bonne grenade dans la gueule. Bon, c'était bien une mauvaise partie. 8-11. Et vous voyez que malgré ce ratio un peu pourri, je suis dans... Allez, le premier tiers du classement. Donc soit j'ai pas eu beaucoup de chance dans mon équipe, soit... Soit ils étaient vraiment très forts en face. Sûrement ça. Pof, donc là je vous remets le jeu. Bon bah on s'est fait une petite partie, je me suis fait un peu dézinguer. Mais ce que vous avez pu voir c'est que le jeu quand même tourne plutôt bien sous Linux. Hein, on était toujours de mémoire au-dessus des 150 fps. Vous voyez que je suis un peu CPU bottleneck parce que le GPU tourne qu'à 70%. Donc il va falloir que j'investisse dans un nouveau CPU si jamais je veux dépasser ce stade. Est-ce qu'on va profiter de la série des 9000 de chez AMD ou passer sur le 9000X3D cet hiver? On verra bien. En attendant, ce sera pour la suite. Hein. Spécialiste des armes. Le plus de victimes avec des armes différentes. Ah, il n'y a pas de petite victoire. Allez, on quitte. Non mais en tout cas moi j'ai apprécié, hein. J'ai passé un bon moment sur, sur Counter-Strike et j'espère que vous aussi parce que c'était cool et en fait ça vous a permis de voir que ce jeu compétitif fonctionne super bien sur Linux et que voilà il y a quand même beaucoup de jeux qui fonctionnent sur Linux y compris les jeux multijoueurs donc ça fait un nouveau jeu validé pour le test de compatibilité sous Linux. Et on va arriver à plus de 60 vidéos dédiées au gaming sur cette chaîne. C'est pas mal, hein, ça avance petit à petit. On verra quel jeu on réalise prochainement, en sachant qu'il y a bientôt le Humble Choice. Je vous remercie tous, je vous fais des bisous. Et merci beaucoup, beaucoup aux membres du Patreon, parce que c'est grâce à vous, les gars, que cette chaîne est démonétisée et donc sans publicité pour tout le monde. Ciao, prenez soin de vous. Ciao, ciao.